tout le monde, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des dernières tendances en décoration et design d'intérieur. On va parler des matériaux, des matières, des couleurs, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Quelles sont les couleurs tendances cette année 2021? Alors je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, ce sont toutes les couleurs inspirées de la nature. On va retrouver beaucoup de tons neutres et chauds, donc les beiges, les grèges, les verts, les bleus sont toujours aussi tendance cette année. On va retrouver aussi toutes les nuances de terracotta, du gris et du jaune qui sont les deux grandes couleurs phares élues par les experts de la couleur chez Pantone. Alors comment intégrer ces couleurs dans notre intérieur? On peut tout simplement associer ces tons neutres et chauds avec différentes teintes de bois. Donc ça peut être du plus clair ou plus foncé et aussi quelques petites touches accents dorés ou noirs. Première tendance, ça va être le canage. Le canage, je vous en ai déjà parlé il y a déjà au moins 2 ans de ça, mais il revient en force cette année. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le canage? Alors le canage, c'est une technique de tissage en fibres végétales. Le canage apporte un peu de texture, de chaleur, il a aussi un petit côté rétro que j'aime beaucoup et il peut se fondre dans différents styles de décoration, donc il est vraiment intemporel. Deuxième tendance, ça va être le bois blanc, donc c'est le bois dans les tons clairs. On le retrouve principalement au sol, sur un mur, sur un pan de mur. En touche accent, ça peut être absolument superbe dans une pièce. Et on le retrouve aussi au plafond. Évidemment, c'est très chaleureux et associé avec du noir ou du gris. En petites touches, ça va faire un contraste absolument magnifique. Troisième tendance, cette année encore, on privilégie les matières et matériaux naturels. Donc tout ce qui est le lin, le rotin, le canage, le bambou, les matériaux recyclés, l'achat seconde main, surtout avec la situation actuelle. Quatrième tendance, ça va être les carreaux de zélite. Alors c'est une céramique qui est originaire du Maroc et elle a vraiment une texture particulière, un aspect très irrégulier qui fait tout son charme. Ça met tout de suite en valeur un mur dans la salle de bain ou dans la cuisine et le zélite va vraiment apporter une touche d'authenticité, une petite touche artisanale avec beaucoup de caractère. Autre tendance, ça va être le grand retour du velours. Le velours, je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais il revient en force encore une fois cette année. On en a vu évidemment beaucoup cet hiver, mais j'aime particulièrement ce textile pour son côté doux, enveloppant, chaleureux et très élégant. Le velours va aussi apporter une petite touche très sophistiquée et réchauffe aussi nos intérieurs. Alors, quelques tendances en rafale, on va retrouver beaucoup le style japandis cette année. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le mélange de deux styles de décoration. Donc on va mélanger le style scandinave et le style japonais, donc toutes les influences de décoration japonaise. Les caractéristiques de ce style, c'est qu'on veut créer des espaces fonctionnels, minimalistes, très épurés, désencombrés, zen. En fait, on veut tout simplement se sentir bien chez soi. On privilégie la qualité plutôt que la quantité dans les objets décoratifs. Donc on va retrouver beaucoup de tons neutres, chauds, très doux avec la présence de matériaux naturels bien sûr. Autre tendance, c'est le slow life et le slow déco. Alors ça va un petit peu ensemble, mais en fait c'est un style qui nous invite à ralentir. Ça nous invite à prendre soin de soi, à relaxer, à se déconnecter des réseaux. Dans ce style, on veut créer des espaces neutres, calmes, lumineux, éclairés, très doux, justement pour nous inviter à se reposer. Avec cette tendance, on évite la surconsommation et on va apprécier davantage ce que l'on a dans notre intérieur. Autre tendance où je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, ça va être tout ce qui est art graphique, l'art abstrait, le line art. On retrouve énormément de visages, de corps, de silhouettes, absolument partout, vraiment partout. Donc que ça soit sur des sculptures, des housses de coussin, housses de couette, ça va être aussi du papier peint, des affiches, ça c'est très populaire, ça va être aussi sur des vases. Et donc il y a vraiment beaucoup de formes organiques, de formes abstraites, avec différentes couleurs, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Autre tendance, ça va être la laine bouclée. La laine bouclée, on l'a vu principalement cet hiver, pour son petit côté très doux, réconfortant, chaleureux. Elle s'associe facilement avec différentes couleurs, différentes matières. On la voit à peu près partout, donc que ce soit des tapis, des coussins, des plaids, des fauteuils, des canapés aussi principalement, donc elle s'invite vraiment partout. C'est très tendance parce que c'est une matière naturelle encore une fois, et les matières naturelles sont en vogue depuis ces dernières années, donc le mobilier en laine bouclée est extrêmement tendance cette année. Autre tendance, on va voir beaucoup le mix des matières. Les fleurs séchées, les herbes de la pampa sont très en vogue.
On veut aussi créer un espace bureau à la maison, un espace de travail dû à la situation actuelle. Et on va voir également beaucoup d'imprimés florales. Autre tendance qu'on va voir beaucoup cette année, ça va être les courbes. On voit principalement des tables basses, des chaises, des fauteuils, des têtes de lit, des étagères, des bibliothèques, même en décoration, tout s'arrondit. Les miroirs ronds sont très tendance, tout comme les arches. Les arches, je trouve ça absolument sublime et c'est très en demande en ce moment. C'est ce qui conclut ma capsule sur les tendances de cette année 2021. J'espère que ça a été intéressant et utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un petit pouce en l'air, à liker, à partager, à commenter. Ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et nous on se revoit bientôt.